Good morning, allez, Iden, le soir aujourd'hui, le Nishmat, François Fajib Ben Khana, Janine Ruth, Batfort, Nazam Fina, Klosh, Mouro Ben Shalom et Ishayahu Ben Linda. Si vous souhaitez vous céder d'une prochaine étude de Mishnah, contactez-le 5 minutes éternelles, nous étions au Sekhet PA, Perek Aleph, Mishnah Dalet. Klal Amru BPA, Kol Sheu Ochen, Venishma, Vegidulav Minaharetz, Lulikitato Akiach, Umachniso Lekium, Chayav BPA, Veatvua, Veakitniot, Bichlal Haze. Traduit directement toute la Mishnah, on interprétera mieux. Klal Amru BPA. Telle est la généralité, telle est la règle générale qui a été donnée pour PA. A savoir, quels sont les fruits imposables de PA? Pas tous les fruits sont imposables de PA. Je rappelle le pasuk. Uvkutzrechem et ketzir artzechem. Lo techale PA tzadecha alikto. Lorsque tu cueilleras ton champ, alors tu n'achèveras pas la cueillette de ton champ, mais tu laisseras une part. D'accord? La nivelle la guerre, t'as rotam, la quête qui s'est retrouvée. La quête de la nivelle la guerre, t'as rotam, n'y a jamais. Ok? Donc, il faut maintenant, quand tu cueilles ton champ, tu finis pas tout, tu en laisses pour les pauvres. Maintenant, on s'intéresse à savoir dans notre Mishnah, quels sont les fruits concernés par la mise à PA. Pas tous les fruits sont concernés. En l'occurrence, il faut kol sheu ochel. Il faut que ce soit d'abord un fruit qui a pour fonction d'être consommer, on le cueille, on le plante, et pour le consommer, pour le manger, pas pour en faire autre chose. À exclure les fruits que tu plantes pour en faire de la teinture. Il y a certaines espèces qui sont aussi consommables, mais essentiellement, on les cultive plutôt pour d'autres facultés. Imaginez le lin, rares sont les gens qui mangent du lin, même si c'est mangeable. On peut faire plein de choses intéressantes avec du lin, mais essentiellement, le lin, c'est pour faire des vêtements. Tout ça, c'est pas imposable de PA. Donc, kol sheu ochel, tout ce qui est planté pour être consommé. Venishma. Et aussi, que l'on plante et qu'on le surveille. À exclure les choses que l'on laisse, les choses qui sont pas, que tu laisses FKR. Soit, imagine que j'ai planté dans l'allée de mon minyan des fruits, pour que ça fasse joli, mais j'ai aucun problème. Celui qui veut, il vient, il mange. Si jamais je me lève en train, je dis allez, je veux prendre tous les fruits, je ne suis pas obligé de laisser une PA. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train de garder ce que j'ai planté. Je ne surveille pas de mon côté que tout le monde vienne en prendre s'il veut. Donc, tout ce qui est ochel, consommable, comestible, à exclure, pas comestible, qui est prévu pour être consommé, à exclure les différentes graines de teinture. Venishmar et que tu plantes avec l'intention de le surveiller, de le garder, et pas que tu le transmets à n'importe qui vienne le cueillir. Vegidulav minaret, et les choses qui poussent de la terre, à savoir, ils font une racine dans le sol qui te donne un fruit. À exclure les champignons. Kmihin opitriot. D'accord? Les truffes, les champignons, je ne sais pas comment c'est. Kmihin opitriot, c'est. D'accord. Ça pose, ça s'enracine pas. Ça pousse sur la terre. Et c'est plutôt par photosynthèse, et c'est pas, ça ne porte pas des graines. Donc, Vegidulav minaret. Et à part ça aussi, Olekitato qui est achat, et le point très important aussi. C'est que c'est quelque chose que tu cueilles tout en même temps. À exclure, par exemple, les figues. Les figues, bah on va apprendre que les arbres aussi sont imposables de tourner autour de la sorte. Mais à cause de ces choses que tu vas cueillir, tu fais maintenant les vendanges des raisins, tu cueilles tout d'un coup. Les figues, tu ne cueilles pas tout d'un coup. Tu viens fréquemment avec ta petite bassine là, et tu cueilles, tu dis ah, ça là, elle est bonne, je la cueille. Et tu en as, c'est constamment en train d'en produire pendant tout un temps, c'est la fin de l'été, là, c'est la période, je crois. Et là, les figues, tu vas chaque jour sur l'arbre, tu as des nouvelles figues qui sont à point, et tu les cueilles. Et tu reviens le lendemain, tu en as d'autres qui sont à point. Donc ce n'est pas l'équitato qui arrête que tu cueilles tout, donc les figues ne sont pas imposables de tourner tout l'instant. De PA, à la différence des oliviers, à la différence de la vigne. Et aussi, au machnis le kium, ce soit une espèce que tu cueilles pour les achnis le kium, que tu vas le faire entrer dans ta grange pour le garder de manière fixe. À exclure les tomates. Ça va remplir, par exemple, je ne sais pas comment ça pousse les tomates, imaginez que ça pousse dans un jeu vide. Parce que ça pousse tout d'un coup. Imaginez quelque chose qui. Un légume comme ça. Mais que tu n'en fais rien, que tu conserves. Tu les prends pour les consommer tout de suite. On les consomme frais. Au bout de 2 semaines, ça pourrit. On ne les garde plus. On n'a plus rien à faire. À exclure. À inclure plutôt. Toute chose que tu vas faire entrer dans ta grange pour les maintenir. En l'occurrence, le blé, tu le gardes pendant des années, même si tu veux. Le vin, on a évoqué le vin, tu en fais du vin et tu le gardes dans ta cave. L'huile d'olive, tu le gardes aussi dans ta cave. Ouais.
Et voilà, tout ce que tu fais rentrer pour garder pendant longtemps. Les figues, en l'occurrence, qu'on a évoquées, tu aurais pu aussi les faire sécher et les garder chez toi, des figues sèches, ça se conserve vachement bien. Le problème des figues, elles sont pas imposables, à cause de ce n'est pas les kinatokés à khat, mais marqué sur les kibbles. Donc tout cela, ils sont en train de perdre. Je reprends les 5 cas, donc on a Ochel, quelque chose qui est prévu pour être consommé, Nishma, quelque chose que tu gardes, tu ne laisses pas n'importe qui venir cueillir, Gidolav Ménaret, quelque chose qui pousse à partir du sol, qui s'enracine à exclure les champignons, Ve le kitatoke achat, ou le kitatoke achat, jusqu'à ce que tu cueilles tout d'un coup. Ve machniso ou machniso le kioum, les choses que tu vas garder chez toi, pour les conserver au long terme. Tout ça, chaya de passe en faisable de PA. Et dans ce cas-là, le Mishnah conclut en disant, va te voir, va kiti, michlalaze. Dans ce cas-là, on inclut dans tout ça toutes les tvoua, toutes les récoltes de céréales, la kitnit et les légumineuses, les légumes, les pois chiches et les haricots, tout ça, eh bien, c'est la même chose. Ça vérifie les 5 conditions requises. Et donc, elles sont toutes incluses, les chalalazek, elles sont imposables de PA. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une vraie pleine. Ça fera comme tout cela.